comme sur une nouvelle vidéo pour faire de la moto. Alors ça fait au moins un mois et demi que j'ai pas fait de moto, alors j'étais un peu nulle. Alors on va aller dans une petite, un petit endroit où on peut aller faire de la moto. Allez, c'est parti. Alors les gars, je vais vous présenter ma moto. Alors elle est juste là-bas. Venez voir avec moi. Alors nous allons la voir. Par contre, elle fait beaucoup de bruit. Alors je vous conseille de baisser le son et de les faire de micro partout. Partir direct pour aller la voir. Le robinet d'essence, voilà. Vous le tournez comme ça. Alors c'est très compliqué bien sûr à tourner. Hop, là on voit sur on. Vous essayez de le tourner au max. Et là, vous commencez comme ça. Vous allez tirer, vous allez allumer pendant, 5 minutes. Et après vous pourrez en faire. Il faudra redescendre le truc quand vous aurez fini. Et aussi ne pas oublier, ici il y a le coupe-circuit. Bon là il est cassé parce que j'ai cassé son BS. Toujours mettre à son poignet pour quand vous tombez, bah la moteur s'arrête. Et juste ici les gars, juste là, il y a le carburateur qui sert à la moto qui a pu aller plus vite. Et mon père en a mis un nouveau parce que l'autre était mort et du coup ça pouvait plus avancer. Et juste là les gars, je sais pas si vous voyez ici, c'est la jauge d'essence pour nous dire combien on a d'essence. Là j'en ai encore beaucoup. Du coup les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Aux 3 pouces bleus dans cette vidéo, en 24 heures, je referai de la moto. Mais bien sûr, je mettrai une GoPro comme ça, vous serez dans ma vue à moi. Et du coup les gars, c'était Gabi, ciao tout le monde.